Salut à tous, ici Xenio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la lignée des compléments. Et nous allons cette fois-ci parler de la mémoire RAM. Donc peu de choses à dire au niveau de la mémoire RAM, puisque une mémoire RAM c'est une mémoire RAM hein, tout simplement. Mais il y a quand même quelques petits trucs à voir. Donc déjà la mémoire RAM fonctionne selon certains standards. Donc actuellement on est en standard DDR3. Donc vous voyez qu'avant il y avait la DDR2 et encore avant il y avait la DDR. Et on va prochainement passer à la DDR4, probablement dans l'année en cours, là en 2014. On va probablement passer en DDR4. Donc nous sommes donc en DDR3, donc non, je regarderai juste ce que c'était que ça. Donc là vous avez en fait la mémoire RAM qui se branche sur les slots de mémoire RAM. Et ici vous avez les mémoires RAM qui se branchent sur les slots SODIM, en fait c'est pour les PC portables. Donc là on va prendre ce qui nous intéresse, la mémoire RAM DDR3. Donc il faut savoir que la mémoire RAM est pas un des éléments qui chauffe le plus dans votre PC, mais il faut savoir que ça chauffe un tout petit peu, selon le modèle, selon comment c'est fait. Selon les fréquences, etc., ça peut chauffer un petit peu, mais c'est pas un truc qui nécessite un refroidissement, ventilateur, etc. En général, un simple dissipateur suffit largement, comme vous pouvez le voir ici. Certains se passent carrément de dissipateur ni quoi que ce soit, comme ici, et sont simplement refroidis par le flux d'air généré par votre boîtier, par les ventilateurs de votre boîtier. Mais c'est toujours sympa d'avoir un petit dissipateur, ça rassure, disons. Donc le nombre de gigaoctets recommandé pour la mémoire RAM d'un PC gamer c'est 8. C'est devenu le standard par ailleurs. Autrefois c'était 4, du temps où j'ai acheté, où j'ai pris mon PC, moi le standard c'était 4. A l'époque j'avais anticipé en prenant déjà 8, et j'ai bien anticipé puisque maintenant le standard est à 8. Donc vous voyez qu'ici on a... un kit de 2x4 Go, donc vous avez comme vous le voyez à l'image, vous avez en fait deux barrettes RAM faisant chacune 4 gigaoctets. Donc on nous précise que c'est de la DDR3. Donc la marque c'est du G-Skill. Et ce sont des Ripjaws. Donc cette marque là, G-Skill, est relativement recommandée. Surtout celle-ci là, les Ripjaws X, sont relativement recommandés. Donc on va s'intéresser un petit peu aux caractéristiques techniques, mais de toute façon j'aurais pas grand chose à dire. Donc type de mémoire DDR3, ça bon, on vient de le voir. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que la mémoire RAM en fait est cadencée, comme le processeur et comme la carte graphique, est cadencée à une certaine fréquence d'horloge. Cette fréquence d'horloge varie en général de 1600 à 2000 MHz. Vous pouvez trouver des modèles jusqu'à 2200 MHz. Et au-delà, ça commence à être assez rare. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme tous les composants possédant une fréquence d'horloge, cette fréquence est overclockable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout simplement augmenter cette valeur manuellement. Sachez que ça fera automatiquement annuler votre garantie et ce genre de choses. Donc naturellement c'est risqué puisque votre mémoire RAM peut devenir instable ou ce genre de choses, donc ça peut être pas terrible. Et vous pouvez aussi overclocker, bon, sur les processeurs vous pouvez overclocker le voltage, je suppose que vous pouvez aussi overclocker le voltage de la mémoire RAM, mais ça se fait beaucoup moins. Donc vous pouvez voir entre autres que ça prend 1,5 volts. Donc voilà, c'était la mémoire RAM. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre c'est que on est à la DDR3 et que on va bientôt passer à la DDR4. Alors à quoi ça correspond ces DDR3, DDR4? En fait ça correspond à une fréquence, plutôt une vitesse théorique d'écriture et de lecture. Puisque la RAM est une mémoire, c'est donc quelque chose où on va stocker des informations. Et vous avez donc, comme toute chose où l'on stocke de l'information, vous avez une vitesse d'écriture, donc une vitesse à laquelle l'information
va s'imprimer en quelque sorte sur la mémoire. Et vous avez une vitesse de lecture, c'est la vitesse où tout simplement on va être capable d'aller rechercher cette information et la lire. Et je pense qu'on va avoir peut-être aussi une fréquence de suppression pour la mémoire RAM. Donc la mémoire RAM est aussi appelée mémoire vive, tout simplement parce que lorsqu'on éteint le PC, celle-ci se remet à zéro, c'est-à-dire que toutes les données qui sont dessus sont soit vous les avez enregistrées sur votre disque dur, soit sont simplement et purement effacées. À côté de ça, vous pouvez avoir de la mémoire non pas vive mais morte, qui en fait continue d'être présente lorsque vous éteignez votre PC. Donc la mémoire morte, ça va correspondre au disque dur SSD, ce genre de choses. Alors que la mémoire vive, c'est vraiment quelque chose qui s'allume quand vous avez votre PC. Donc en fait, qu'est-ce qui va être stocké sur la mémoire RAM? Et bah, il va y être stocké tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de tourner une vidéo sur Internet. J'ai donc le logiciel de capture d'écran qui est ouvert, plus pas mal d'autres trucs, mais plus, entre autres, Google Chrome. Donc ce que je suis en train de faire là, en fait, quand vous ouvrez Google Chrome, toutes vos données sont par exemple l'image là de Top Achat, toutes ces images là sont forcément téléchargées et stockées sur votre PC, et ils vont être stockés soit dans la RAM, soit dans des sortes de sous-dossiers de fichiers temporaires, mais ça doit bien aller quelque part. Et surtout, quand moi je pense que là mon logiciel de montage et de capture utilise la RAM en ce moment même afin de filmer la vidéo, puisque je suppose que cette vidéo est d'abord filmée sur la mémoire RAM et va ensuite s'enregistrer sur le disque dur également. Donc la mémoire RAM, ça sert aussi aux jeux vidéo, aux maps. Quand vous chargez les maps se chargent en général sur la mémoire RAM, dans un deuxième temps, c'est à dire qu'elle se charge d'abord sur votre mémoire dédiée de votre carte graphique, donc en GDDR5 normalement, et ensuite s'il n'y a plus de place sur votre mémoire dédiée de carte graphique, ça peut venir en complément la mémoire RAM, tout simplement. Enfin, en général, sur la mémoire graphique vous avez plutôt les particules, ce genre de choses, et la map en elle-même se trouve plus ou moins sur la RAM en fait. Enfin, ça dépend vraiment des cas, en fait. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur la mémoire RAM. Alors, je vais juste en chercher une autre, histoire de vous montrer. Par exemple, cette Corsair Vengeance. Corsair Vengeance, c'est aussi de la très bonne mémoire RAM, hein. Vous pouvez prendre ça sans trop regarder. Donc, j'arrive directement sur les avis, je sais pas pourquoi. On vous dit en plus que là, pour le coup, c'est garanti 10 ans, donc vous avez vraiment pas de soucis à vous faire. Donc là, on vous vante les mérites de la DDR3 par rapport à la DDR2. Donc, caractéristiques techniques, donc la fréquence ici, vous voyez que comme sur l'autre, on est à 1600 MHz. Je vais essayer d'en trouver une qui est cadencée un peu plus haut. Je crois que la HyperX, elle est un petit peu plus haute que les... Ah non, elle est à 1600. Kingston HyperX, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre ça les yeux fermés. Vous êtes sur du très beau produit, vous êtes sûr que ça tiendra. J'essaye juste de trouver vite fait quelque chose qui est cadencé un peu plus haut que 1600 MHz. Alors, je sais pas si je vais trouver... 1600. Donc en plus de ça, vous avez un truc comme ce kit là. On vous dit qu'il est en low profile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la mémoire, la carte en elle-même de mémoire RAM prend très peu de place. C'est-à-dire que ça a été fait de manière le plus compacte possible. Vous voyez que le dissipateur, il n'y a pas de grand dissipateur en haut. Et le système de refroidissement est en quelque sorte intégré directement par-dessus la RAM, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, quel est l'avantage de ce genre de RAM comparé à la RAM classique avec le grand dissipateur en haut? C'est tout simplement que sur les petites configs en mini ATX ou en micro ATX, parfois la carte graphique peut venir
peut être gêné par la mémoire RAM, tout simplement vous avez pris une carte graphique et vous vous rendez compte qu'avec la mémoire RAM ça ne passe pas. Et bien là vous serez obligé de passer sur du RAM low profile tout simplement. Sur, enfin pas for- même sur certaines configs ATX, hein, ça s'est vu quand j'en ai suffi. J'ai même il y a pas longtemps encore quand je surfais un peu sur YouTube, j'ai vu un gars qui faisait une vidéo de montage de son PC et il a précisé à la fin de sa vidéo que il a dû changer de mémoire RAM pour prendre justement du low profile parce que sa carte graphique ne passait pas à cause du dissipateur de sa mémoire RAM. Donc voilà grosso modo qu'est-ce qu'il fallait savoir sur la mémoire RAM. Vous pouvez constater qu'on a aussi du CAS10, CAS9, etc. Bon ça c'est pas... Voilà c'est... Ça correspond à une sorte de norme je pense, mais bon moi j'en ai jamais entendu parler de du CAS quelque chose, donc je pense pas que ça change grand chose. Enfin c'est même sûr que ça change pas grand chose. Donc sachez que toutes les mémoires RAM ne se valent pas. Sinon ça vaudrait pas le coup de faire des comparatifs. Donc qu'est-ce qu'on compare grosso modo lorsqu'on compare une RAM? On va comparer eh bien, est-ce que la RAM a tendance à surchauffer ou pas? Est-ce qu'elle tient bien l'overclocking? Et on va également tracer un graphique performance en fonction du temps. Pour avoir en fait, parce que comme c'est un composant qui s'use petit à petit, vous allez avoir une petite perte en fonction du temps. Comme sur les disques durs, comme sur les SSD, comme sur la plupart des composants en fait. Plus le composant va être vieux, moins il va être efficace. Mais bon, sur une mémoire RAM, vous voyez que c'est quasi insignifiant puisque vous avez les vengeances qui sont garanties 10 ans. Donc c'est quand même... voilà, c'est comme les processeurs. Un processeur, ça peut faire jusqu'à 100 ans. Donc voilà, très peu de choses à dire sur la mémoire RAM. Donc sur ce, ça sert à rien de laisser tourner la vidéo plus longtemps que ça. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao !